Salut tout le monde, c'est Vanir et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est un tuto, voilà, tuto pour avoir un logiciel de montage gratuit et alors pas un logiciel de montage à la Movie Maker mais Videopad, voilà. Videopad qui est un logiciel de montage professionnel. Donc gratuit. Donc bon, certes, on peut avoir des logiciels du genre Camtasia et Sony Vegas, mais moi personnellement, j'utilise celui-là. Je trouve qu'il est très bien et simple d'utilisation. Et sachant que ce n'est pas un crack ce que je vais vous apprendre. Donc c'est pour avoir la version payante, donc en entier, mais vous ne la payez pas. Sachant que ce n'est pas un crack. Car en fait, vous pouvez rentrer des codes ou des codes de validation, et donc il suffit d'en rentrer un et vous disposez en fait de la version payante. Ce qui fait qu'en fait, c'est même pas un crack, sachant que le code c'est pas un truc à renouveler, c'est à vie en fait. Donc voilà. Donc pour commencer, il faut installer Videopad. Donc vous tapez Videopad version DC. Voilà, vous prenez le premier lien, pardon, donc sur comment ça marche. Sachant, donc, bon, cliquez sur télécharger, vous vérifiez que c'est bien en français. Donc, bon, moi j'ai déjà fait, c'est pas grave, je le refais. Voilà, vous l'enregistrez. Vous voyez, moi ça me prend 20 secondes. Enfin, c'est vraiment très rapide, hein. C'est pas des trucs genre, par exemple, pour y avoir des trucs genre. Camtasia qui prend peut-être des heures à télécharger, mais en fait ça dépend de votre connexion. Mais là en l'occurrence c'est plutôt rapide. Donc voilà, ouais, en fait c'est ça, hein, c'est l'affaire de quelques secondes. Donc on va dire qu'il y a pire quand même. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous le récupérez donc dans vos téléchargements. Donc il est là. VP setup. Vous cliquez dessus. Donc là, il me dit par-dessus celle installée précédemment. C'est parce que je l'ai déjà fait. Donc bon, là, je fais annuler. Vous aurez un autre message. Donc vous faites installer. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre comment on installe un logiciel. Je pense que vous savez faire. Si jamais il vous propose des trucs genre de la pub en fait, des bannières qui vous les coche automatiquement, vous les décochez. Mais normalement oui, il n'y a pas de problème. Alors une fois que c'est fait, vous ouvrez Videopad. Donc voilà. Alors une fois qu'il est lancé, donc vous qui avez la version DC, vous n'aurez pas pu enregistrer. Je crois qu'elle sera grisée. C'est parce que ben, vous avez une version DC. Et la version DC, en fait, si vous voulez, elle dure un mois. Et donc vous ne pouvez pas non plus tout faire avec la version DC. Donc pour avoir la version complète gratuitement, il suffit de faire fichier, inscrire le logiciel, et donc là vous voyez, il vous demande de mettre un code d'inscription. Donc là, tout simplement, vous avez juste à rentrer un des deux codes que j'ai mis. Donc, vous voyez, je fais mon petit document là. Un des deux codes donc que je vous mettrai dans la description. Donc vous en prenez un des deux, hein. Voilà, CTRL C. On oula, voilà, c'est bon. On retourne sur inscrire le logiciel, vous faites coller ou CTRL V, voilà, et vous n'avez plus qu'à faire inscrire. Donc quand vous faites inscrire, voilà, il dit merci pour votre inscription, on est là. Inscription réussie. Bon voilà. Ensuite, bon, vous voyez, il demande express problème plus tard. Donc ça vous faites plus tard. Bon, moi j'ai fait annuler parce que j'ai déjà inscrit, donc voilà. Mais donc pour ça, vous avez juste à faire plus tard. Donc une fois que c'est fait, vous disposez de la version complète. Donc vous voyez qu'il y a encore des zones grisées, mais ça c'est normal. C'est une fois que vous aurez déposé en fait votre fichier vidéo sur la table de travail, voilà, c'est ça comme ça, vous aurez effet vidéo, effet audio, tout ça ce sera bien, tout simplement. Donc voilà, donc si vous voulez une autre vidéo sur Videopad pour que je vous apprenne à vous en servir, mettez-le dans les commentaires. Sinon, je verrai moi-même. Voilà, pour apprendre des trucs de base, bon, je verrai. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires pour me dire si
si ça a marché, ce qui n'a pas marché. Peut-être qu'un code ne marchera pas, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.